Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre la novela de Jean-Luc Cuatalem, El papel del hijo. Tenemos aquí el gran privilegio de contar con Jean-Luc y con Jacinto Antón. Y yo soy Fernando Paz, responsable de narrativa del sello Anaya, del grupo Anaya del sello ADN. Jean-Luc Cuatalem es uno de los escritores franceses más destacados de la actualidad. Ha hecho de todo en la vida, ha viajado muchísimo, es un viajero incansable, periodista, escritor, ha sido incluso subdirector de la revista Geo, ha publicado muchas novelas e incluso ha ganado el premio Fémina de ensayo en el año 2017 por Mes Pains Frontalières. Y bueno, lo dicho, Jean-Luc, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque no solamente es un gran privilegio haber publicado este libro, sino también tenerte con nosotros esta tarde. Y en caso de Jacinto Antón, creo que conocéis todos muy bien a Jacinto, es un periodista de los más importantes de este país, también gran viajero, gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas importantes de este libro, y bueno, incluso Premio Nacional de Periodismo. Así que también, Jacinto, muchísimas gracias. Otro gran honor tenerte con nosotros. Este libro lo hemos publicado hace unos días. Tenemos una traductora de excepción, Elia Maqueda, a la que desde aquí damos las gracias por su impresionante trabajo, porque es un libro nada fácil de traducir, muy literario, muy bello, muy musical, y creo que ha transmitido muy bien, perfectamente, el espíritu de esta novela a esta traducción. Yo voy a ser muy breve, solo saludaros, agradecer al público que nos está viendo estar presente esta tarde. Este libro es una búsqueda, la búsqueda del abuelo del autor desaparecido en la Segunda Guerra Mundial en manos de la Gestapo, y una desaparición que creó un gran vacío en una familia, porque nadie supo muy bien a qué se debió esta desaparición. Es una, como decimos en la faja, es una asombrosa reconstrucción literaria de un caso real, un caso que nos va a contar, por supuesto, Jean-Luc, con la ayuda de Jacinto. Yo os lo recomiendo mucho porque creo que es un libro muy esclarecedor y habla muchísimo, además, de temas que incluso hoy en día nos preocupan mucho a todos, ¿no? Relativos a la libertad, al pasado que no conocemos y que queremos esclarecer, y que realmente me parece que es un libro que lanza un mensaje muy universal y nos ayuda a entender mejor quiénes somos los europeos también, ¿no? Yo no voy a extender más, le voy a dar la palabra a Jean-Paul Lefebvre, que es el director adjunto del Instituto Francés de España. Agradezco de entrada la colaboración del Instituto Francés para organizar este acto, sin su ayuda no habría sido posible, y la ayuda permanente que nos brindan con los autores franceses que hemos publicado en ADN, que ya llevamos unos cuantos en nuestros escasos 4 años de existencia. Sí quiero decir a la gente que nos esté viendo que podéis hacer preguntas y os daremos respuestas al finalizar la charla en la zona inferior de vuestra pantalla. Veréis una opción para hacerlas, y también que para acceder a la interpretación simultánea veréis una pequeña bolita del mundo en la parte inferior de la pantalla. Basta con pulsarla para elegir el idioma en que queréis escuchar esta charla. Y sin más por mi parte, doy paso a Jean-Paul Lefebvre. Merci Fernando. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tous les participants de cette rencontre à distance, mais qui est, comme le disait Fernando, un moment tout à fait précieux pour nous. Et je voudrais évidemment remercier Fernando pour son travail. Nous avons un partenariat extrêmement ancien et actif avec les éditions ADN, et je voudrais remercier Fernando et toute l'équipe de cette magnifique maison d'édition pour le travail qu'ils font pour la diffusion, la promotion de la littérature, et en particulier pour la diffusion et la promotion
de la littérature française contemporaine. Je remercie évidemment Jacinthe Anton, bien sûr, d'être parmi nous. Merci de son aimable collaboration à ce moment. C'est un privilège de vous avoir parmi nous. Et évidemment, merci mille fois à Jean-Luc Coatalem, que nous suivons au cours de cette carrière pleine de voyages et de beaux romans. Il le sait, il a beaucoup de lecteurs attentifs et d'admirateurs parmi les diplomates, parmi les voyageurs et parmi tous les amateurs de bonne littérature. Donc, c'est un grand bonheur de vous avoir parmi nous. Et je suis certain que les lecteurs espagnols vont prendre beaucoup de plaisir à lire son dernier roman dans l'excellente traduction, effectivement, de Emilia Maqueda. Donc, sans plus tarder, je rends la parole à Fernand en vous souhaitant à tous une très belle rencontre et un très bon moment avec nos participants. Bonne soirée à tous. Hola, buenas tardes a todos igualmente también. La verdad es que es un privilegio estar aquí presentando este libro, colaborando en la presentación de este libro. Y tengo que decir que es un libro que me ha emocionado profundamente. Es un libro que encuentro que tiene muchísimos ángulos, muchas historias detrás, pero principalmente esa historia de la búsqueda de un familiar, la búsqueda del abuelo, del abuelo además atrapado por la Gestapo, que desaparece en el mundo de los campos de concentración alemanes. Y la búsqueda por parte del nieto, por parte del autor. Esto es un libro en el cual la literatura y la realidad, la memorialística, van muy de la mano, van muy juntos. Pero yo sobre todo quería destacar lo emocionante que es este libro, que no solamente nos habla del hecho central de la vida del abuelo, ese agujero negro de qué es lo que pasó, cómo fue atrapado por la Gestapo, por qué, cuál fue la razón y ir desgranando todo el destino de este personaje, sino que además hay toda una serie de personajes paralelos y vidas paralelas emocionantísimos. Hay que decir que los dos hijos varones de este abuelo, el padre y el tío del autor, tienen unas vidas absolutamente sensacionales. Son dos personajes que viven carreras militares y que uno es un personaje, Pierre, el padre del autor, es un personaje más luminoso desde ciertos puntos de vista. El otro es un personaje más oscuro, el tío es un personaje más oscuro, y solamente con enunciarles que saltan paracaídas en Dien Bien Phu. O sea, es un personaje que vive en la gran aventura no solamente de la Segunda Guerra Mundial. Él se va... huye de la Francia ocupada, sino que además luego tiene una vida tanto en Indochina como después en Argelia, ¿no? en la lucha de liberación de Argelia, y está en el lado oscuro, digamos, de lo que fue después toda la liberación de Argelia, la independencia de Argelia, ¿no? Está con los paracaidistas que dieron el golpe de Estado contra De Gaulle. Hay toda una historia paralela y maravillosa. La historia del propio padre de Pierre también es increíble. Es un hombre que es oficial de las Jarcas, está en el desierto, estamos en el mundo de Loris de Arabia, ¿no? el mundo del Sáhara. La propia vida del protagonista, de Paolo, del abuelo, que es el núcleo central, es un hombre que no solamente vive los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación, la captura por parte de la Gestapo, sino que tiene un pasado en la Primera Guerra Mundial. Hay unas páginas del libro que son directamente Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Es el abuelo del autor, de Jean-Luc, protagonizando asaltos de infantería contra las trincheras alemanas, protagoniza 20 asaltos de infantería en las trincheras alemanas, todo descrito con esta forma que tiene de escribir Jean-Luc, que no solamente es muy realista a veces, sino además está dotada de una poesía y de una emoción muy, muy especiales. Yo no había visto nunca... A mí me interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo. No había visto nunca descrito todo lo que era el complejo de la cohetería, de los misiles nazis, el proyecto de misiles nazis en los túneles de Dora, esos túneles dantescos donde fueron a parar tantos y tantos trabajadores esclavos europeos, entre ellos muchos franceses y entre ellos el propio abuelo de Jean-Luc. Y nunca había visto descrito de esa manera, además la conexión que él efectúa muy bien
entre lo que fue el proyecto de cohetería nazi y después la conquista del espacio. Por estas páginas sale Von Braun, el brillante Von Braun, que realmente su carrera como conquistador del espacio empieza metido hasta las rodillas en sangre en los túneles de Dora, ¿no? Todo eso está en esta novela apasionante. Y yo quería empezar quizá diciéndole a Jean-Luc, creo que somos, generacionalmente estamos bastante próximos, él es de 1959, yo soy del 57, él ha protagonizado esta búsqueda de su abuelo tan emotiva que se ha convertido en este libro, que a mí me parece un libro indispensable de esta temporada literaria, y yo he buscado a mi abuelo también. Mi abuelo murió de un disparo a bordo de un barco, era oficial de la Marina, y también en unas circunstancias muy extrañas que no se han podido esclarecer. Y sé lo que es cuando él explica buscar en los archivos el triunfo que es una ficha bibliográfica, una ficha de trabajador, lo que es encontrar pequeños rastros, las pequeñas huellas de una familia y cómo se va armando todo un destino de un personaje, ¿no? De un personaje que es de la familia, además. Entiendo perfectamente, Jean-Luc, lo que es ese trabajo y el dolor que causa y la alegría, ¿no? Que causa las dos cosas, esa cosa tan ambivalente que tiene esa búsqueda y que tiene este libro. Y lo que te quería, si te parece, que empezar comentando es, una vez me dijo una persona tan extraña como es una sobrina nieta de Heinrich Himmler, que escribió un libro sobre su familia y realmente buceando en algo tan terrible como ser familia de Heinrich Himmler, en el otro lado de toda tu experiencia familiar, me dijo que en las familias siempre hay una persona, no se sabe por qué, que la elige el destino para que rastree, para que busque debajo de las alfombras de la familia y encuentre esos secretos, esas cosas que siempre se han ocultado, cosas que a veces son malas, pero que a veces también son buenas. No sabes por qué se oculta, por qué hay esos secretos en las familias. Y yo no sé qué es lo que hace que una persona se convierta realmente en ese guía, en ese personaje que busca, en ese detective, si quieres, en ese arqueólogo de la historia familiar. Y quizás, si te parece, podríamos empezar por ahí. ¿Por qué te lleva el destino a embarcarte en esa búsqueda del destino de tu abuelo? Déjà, en vous écoutant, j'ai une émotion qui me prend un petit peu. Oui, j'ai ce grand-père inconnu, puisque je ne l'ai pas connu, a été arrêté en septembre 1943. Et il a été arrêté par la Gestapo, emmené à Brest, dans la ville qui est juste à côté, probablement torturé et ensuite envoyé dans des camps successifs. À ce drame, ça s'est passé le 1er septembre 1943, s'est ajouté le silence. C'est-à-dire que toute la famille, et notamment les deux fils de ce grand-père, donc mon père et mon oncle, les deux fils ont gardé le silence. Donc le drame familial, je n'avais plus de nouvelles de ce grand-père depuis le 1er septembre 1943, en l'an 2000. Personne ne m'en parlait, personne ne voulait m'en parler, et même les photographies, les très rares photographies de ce grand-père nous était interdite. Nous n'avions pas le droit de voir son image, nous n'avions pas le droit de prononcer son nom, nous n'avions même pas le droit d'aller dans la maison. Tout était tabou, tout était interdit. Mais le tabou, vous savez, c'est quelque chose qui interdit, mais c'est aussi quelque chose qui protège celui qui n'a pas le droit. C'est une sorte de graduation, d'initiation. Et j'ai senti que moi, je pouvais peut-être avoir le droit d'accéder à ce tabou. Le tabou d'abord de pourquoi a-t-il été arrêté, parce que nous ne savions pas. Et le tabou de pourquoi ses deux fils, mon père et son frère, mon père et donc mon oncle, ont à leur tour garder le silence jusque maintenant. Donc j'ai effectivement été le premier des petits-fils à dire que c'était quelque chose pour moi qui était insupportable.
insupportable. Parce que je voulais savoir si son arrestation était quelque chose d'héroïque. Est-ce qu'il avait été un grand résistant? Est-ce qu'il avait été un homme de combat? Ou est-ce que c'était une erreur? Ou est-ce que c'était une vengeance, tout simplement, de voisins, de jalousie? Et puis peut-être même, y avait-il dans la famille quelqu'un qui savait quelque chose et qu'il ne voulait pas de dire. Vous savez, à la messe, je sais qu'en Espagne, l'Église est importante aussi, et dans la liturgie, on dit « Dis-moi seulement une parole et je serai béni ». J'attendais que quelqu'un me dise cette parole et j'attendais d'être béni pour pouvoir commencer ce travail. Mais c'est un travail qui est en moi depuis toujours. Et il est en moi depuis toujours, d'autant que ce grand-père et ses deux fils, à leur tour militaires, officiers de l'armée française, étaient très attachés à cette région qui s'appelle la Bretagne, dont vous voyez derrière moi une maison typique. Et d'une certaine façon, la Bretagne elle-même m'était interdite, puisque la Bretagne était le lieu du drame, était le lieu du silence. Et avec le temps, il m'a fallu partir à la recherche de ça, mais avec rien, puisque personne ne me parlait, puisque je n'avais que 2-3 photos d'eux que j'avais réussi à voler à ma famille, à voler, à subtiliser. Et donc, j'ai commencé des recherches. Alors, j'ai commencé des recherches en allant sur les lieux, en essayant de voir les choses, en essayant de me mettre dans les endroits, comme si je pouvais être une sorte de médium et qui aurait capté un message. Comme si, en fait, le passé n'était pas passé, que le passé était présent, au présent, et qu'il y avait une coagulation des choses. Et il fallait simplement que je sois dans un état de réception pour tout d'un coup que les choses s'éclairent. Et j'avais des techniques, on va dire ça comme ça, de marche, ou par exemple dans Brest, qui était le berceau familial de ma famille, avec la maison rue Victor Hugo, où je m'obstinais à marcher comme ça, au crépuscule, sur le port, entre les bateaux, dans les ruelles, pour arriver à quelque chose d'hypnotique, voyez, et où tout d'un coup, au détour d'une rue, une fenêtre, un drapeau, une ombre, pouvait être eux, pouvait être lui. Et là, avec cette espèce de subterfuge, parce que ça n'est pas réel, évidemment, cette espèce de passage par l'imaginaire, j'ai commencé à écrire ce livre qui est à la fois, effectivement, vous l'avez dit, Racinto, très méthodique et très réel, mais aussi avec cette part. Ce n'est pas une part d'invention, c'est une part d'accueil de quelque chose qui est l'ombre de l'ombre, hein, qui est les séquelles, qui sont les traces. Voilà. Alors, j'ai commencé à travailler en Bretagne, j'ai commencé à aller dans les camps, les prisons où il avait été, puisque donc il est arrêté en Bretagne, il est emmené à Compiègne, qui est un grand centre de tri de prisonniers, où là, effectivement, j'entre, il y a encore 2 baraques, j'accède même à des wagons où il y a eu des déportés français qui étaient dedans vers l'Allemagne, et là, j'ai presque un malaise de honte aussi, pas simplement un malaise de malaise, un malaise de honte, parce que qu'est-ce que je faisais, moi,
dans un wagon déporté, où il y avait quelque chose d'un petit peu obscène, d'une certaine façon, à chercher ça. Et puis, je suis allé, évidemment, en Allemagne, puisque ce grand-père, donc, que j'appelle Paul, dans le livre, mais qui, en fait, s'appelle Camille, parce que je n'arrivais même pas à dire son nom, tellement son nom m'était interdit, que je ne pouvais pas dire son nom. Et en fait, il ne s'appelle pas Paul, il s'appelle Camille. Et effectivement, je suis allé dans les trois camps où il a été, Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen. Et Dora est le camp le plus intéressant, si j'ose dire, puisque vous le disiez tout à l'heure, c'est un camp où la technologie nazie a mis en place des missiles révolutionnaires qui étaient capables de sortir de l'atmosphère avec une vitesse au-delà du son et d'emmener des missiles jusqu'en Angleterre, évidemment en Belgique, etc. Et Hitler pensait révolutionner, faire basculer la guerre avec ces armes qu'il appelait les armes du miracle, les armes miraculeuses. Et toute cette technologie-là, qui était une technologie futuriste. D'ailleurs, quand ils ont réussi les premiers tirs, ils ont dit « nous venons de faire un pas pour l'humanité ». C'est-à-dire qu'ils avaient compris que la technologie qu'ils mettaient au point pouvait nous permettre de sortir de la Terre, aller sur la Lune. Et le rêve de Werner von Braun, c'était d'aller sur Mars. Toute cette technologie a été récupérée par les Américains. Une grande partie des scientifiques allemands ont été récupérés par les Américains et Werner von Braun a été le numéro 2 de la NASA. C'est lui le père d'Apollo. Bon. Cette technologie-là, elle a été mise au point, bâtie par des dizaines de milliers de déportés français, polonais, russes, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres nationalités, et ils ont été sacrifiés à la conquête spatiale. Et je me suis dit, bon, finalement, ce grand-père, dont je ne connais pas grand-chose, mais dont je commençais à trouver des traces, parce que les Allemands faisaient bien les choses, d'une certaine façon, et tout est noté. Et donc, en écrivant dans des mémorials, en écrivant dans des associations de déportés, tout d'un coup, quelqu'un me disait quelque chose. Quelqu'un me disait « j'ai été dans le convoi 38 000 ». Je me disais « comme mon grand-père ». Un autre me disait, ça c'est plutôt vers la fin, « je connais quelqu'un qui a connu vos grands-parents au moment de l'arrestation ». Et donc, je téléphonais, il me donnait le nom et tous les noms qui avaient tous les mêmes noms de l'annuaire, je les appelais tous les soirs en disant « est-ce que vous êtes monsieur ?»« Oui, vous avez… » »« Non, ah bon, c'est un homonyme. » »« Ok, bon, hop. » Et donc, je faisais un travail d'enquêteur, mais dans le passé, pour essayer de mettre la main sur ce grand-père que j'essayais de sauver, puisqu'il n'y avait plus… Non seulement il avait disparu, mais il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus de noms. Il n'était plus qu'un matricule, puisqu'ils étaient immatriculés avec un numéro, comme tous les déportés. Donc, je me suis accroché à cette histoire pour développer mon livre, qui est à la fois, effectivement… Alors après, je peux vous raconter ce que j'ai trouvé, parce que plus je creuse et plus je trouve des choses un peu invraisemblables, un peu sidérante. Mais par moments, je ne sais pas. Il y a des trous. C'est comme un fromage, un gruyère français, là où il y a des pâtes, la pâte, mais il y a des trous. Donc là, j'étais obligé de me laisser aller et de me dire peut-être qu'il a fait ça. Et là, je redevenais romancier, d'une certaine façon, pour finir de coudre ce tissu qui, autrement, ne tenait pas. Y una pregunta, Jean-Luc. ¿Cuál es la razón
del trauma familiar, la razón del tabú familiar, porque estamos acostumbrados a ver este tipo de historias con familiares que han sido colaboracionistas, que han sido nazis, pero estamos hablando de un personaje que era un personaje positivo, es un personaje al que se lleva a la Gestapo, va a parar a los campos de concentración, es un héroe, incluso está reconocido como un personaje de la resistencia, sabemos que estuvo en la resistencia. ¿Por qué se creó este tumor dentro de la familia con respecto al abuelo? ¿Por qué tu padre, por ejemplo, Pierre, no fue capaz él de hacer la búsqueda que hiciste tú? Mon père, qui à l'époque avait 12 ans au moment de l'arrestation, a vu son père défiguré par les Allemands. Et donc, c'était un tel choc qu'en tant qu'enfant, il n'a jamais pu surmonter cette horreur. Parce qu'ils l'ont revu une fois avant qu'il prenne le train pour Compiègne. Après, moi, la question que je me posais, c'était que le fils aîné, que j'appelle Ronan dans le livre, et qui ne s'appelle pas Ronan, parce que je ne pouvais pas non plus dire son nom dans le livre, il s'appelle René, mais je l'ai appelé Ronan. Mmh. Ronan, il part 3 semaines avant l'arrestation du père. 3 semaines avant, il disparaît. On ne sait pas pourquoi. Et j'ai retrouvé son histoire, puisqu'en fait, il a pris un bateau, on est en Bretagne, donc il a pris un bateau avec 17 autres personnes, et ils sont allés rejoindre l'Angleterre. Et quand il est arrivé en Angleterre, il s'est engagé dans les forces françaises libres, donc les forces de De Gaulle. J'ai une petite photo de lui. Je ne sais pas si vous la voyez. Et ça, c'est mon oncle, Ronan. Et Ronan est engagé dans les forces françaises libres de De Gaulle et très vite entre dans le contre-espionnage. Il va être un espion et il va être envoyé en Algérie, au Maroc, et il va disparaître. En l'an 2000, quand j'ai été voir ma tante, la femme de Ronan, je lui ai dit, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Dans mes recherches, j'ai trouvé que ton mari avait été dans le contre-espionnage. Elle me dit, il ne me l'a jamais dit. Je vais te dire autre chose qui est moins agréable, il a été déserteur de l'armée française. Il ne me l'a jamais dit. Donc, le silence originel de la famille se perpétuait encore avec la deuxième génération, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ce qu'ils faisaient, ils ne le voulaient pas le dire. Alors, ils ne veulent pas le dire parce que, d'abord, je pense qu'ils estiment que ça ne regarde pas les autres. Ce sont des officiers de l'armée française qui ont tous combattu. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Ronan a fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Et l'Indochine, il a fait la guerre d'Indochine, il a été volontaire sur Dien Bien Phu. Mon propre père a fait la guerre d'Algérie, et vous savez que pour la France, la guerre d'Algérie a été quelque chose de très très important, parce que c'était une guerre où ce n'étaient plus les professionnels qui faisaient la guerre. La guerre d'Indochine, c'était uniquement l'armée française, les soldats de métier. La guerre d'Algérie, c'est des contingents français, c'est des civils qui, quand ils font leur service militaire, se retrouvent à faire la guerre. C'est très différent. Donc, c'est la nation qui combat. Bon. Et je pense que tous ces hommes, et je parle pour eux, tous ces hommes ont été terriblement marqués par ces guerres, terriblement marqués par une France à laquelle ils croyaient, une France rayonnante, une France victorieuse, France, mais qu'il ne l'était plus. Et je pense que ce sont des gens qui ont été dans une forme de désillusion. Finalement, il ne restait plus grand-chose. Et
peut-être y a-t-il une forme de, oui, de pas de culpabilité, mais de souffrance, je pense, de souffrance. Et puis, c'est la volonté aussi. Alors, nous, on est bretons, mon nom est breton, Coatalem, c'est un nom breton. En Bretagne, on ne parle pas, ce ne sont pas des peuples qui parlent, hein. Ce sont des gens de la mer, ce sont des gens des rochers, on la ferme, hein. Ils ne sont pas expansifs, ce ne sont pas des méridionaux comme en Méditerranée, ce sont des gens des pays pauvres, ce sont des régions pauvres, hein, où les familles sont des cultivateurs. Maintenant, ça va mieux quand même, mais où longtemps les familles ont été des cultivateurs ou des pêcheurs. Bon, on la ferme, on ne dit pas. Et en plus, vous savez, il y avait cette règle pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des grandes affiches où on disait, c'était marqué, informer, c'est déjà trahir. Informer, c'est déjà trahir. Et je pense que tous ces officiers qui ont été mon grand-père et mon oncle et mon père avaient gardé peut-être quelque chose comme ça. Informer, c'est déjà trahir. Et informer, c'est se mettre aussi en danger, hein, dans des situations difficiles, puisque tous ces hommes-là ont traversé des guerres, blessés, tous ont été blessés. Moi, je voyais, quand j'étais enfant, je voyais mon oncle, Ronan, je l'ai vu plusieurs fois, qui était un officier de Légion. Alors, vous savez, dans l'armée française, la Légion étrangère, c'est... Et lui, il était officier de Légion, quoi. Donc, c'était... Bon, il avait été blessé 3 fois, dont une fois à la grenade, pour un enfant de 10 ans, 12 ans. Je dis, quoi, c'est... Et lui, il était là, très, très, très stoïque, très calme. On aurait dit un félin, vous voyez, une sorte d'indifférence, mais où tout d'un coup, ça peut péter, quoi. Et moi, en tant qu'enfant, avec ces figures paternelles un peu écrasantes, quand même, j'étais confronté à ça. Et aussi à ce silence organisé, volontaire, autour duquel ma fratrie, mes cousins ne disaient rien. J'étais le seul, je ne sais pas pourquoi, une sorte de maillon faible, plus électrique ou plus fragile que les autres, qui fait que c'est moi. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'était moi. Qui devait aller chercher ce grand-père perdu, dont, alors, il y avait la Première Guerre mondiale, et puis il y avait la Deuxième Guerre mondiale, et entre, il y avait une période indochinoise où il avait été en poste à Saïgon, et où j'ai quelques photos. Ah, photos! On le voit, je ne sais pas si vous voyez, on le voit avec son casque colonial dans les jardins en 1929 à Saïgon, où c'est une des 4 photos que j'ai, ça c'est un tirage, où on le voit ici dans son salon avec un palmier, et on dirait un joueur de tennis, il a quelque chose de Buster Keaton, un petit peu comme ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, peut-être que dans cette période, il était heureux. Qu'entre le séisme, la catastrophe de la Première Guerre mondiale, où il va être blessé, et la Seconde Guerre mondiale, où il va être blessé et déporté, il y a cette période exotique où il a été heureux. Et donc, j'ai fantasmé beaucoup sur ça, sur les pays asiatiques. Et je crois que si je suis devenu journaliste tourné vers les voyages, c'est à cause de cette idée-là que il y avait eu possiblement une période de sa vie où tout aurait été donné, le soleil, l'eau, la nourriture,
sans doute les femmes, une sorte de monde gratuit. Vous savez, c'est ce que disait Rimbaud. Il disait qu'il fallait une vie libre, errante, gratuite. Mais on sait tous que la vie est entravée, coûteuse et prisonnière d'elle-même. Et j'avais l'impression que ce grand-père, heureusement, avait eu en Indochine, ce qui est probablement faux d'ailleurs, une période très heureuse. Et dans mon livre, effectivement, les passages en Indochine sont des passages où je l'imagine dans les ruines, faisant du canot sur le Mékong, parce que je voulais le faire respirer et je ne voulais pas qu'il soit uniquement un pauvre déporté, un pauvre numéro, un pauvre type qui est obligé, dans un pyjama rayé, de porter des cailloux ou des morceaux de fusée, même si ces fusées, 15 ans après, allaient conquérir la Lune. Je ne voulais pas qu'il ne soit que ça. Je voulais lui donner sa... une sorte de plénitude de vie, quoi. Voilà. Qué difícil conjuntar todas esas cosas. Hay como una alquimia en la novela que consigue transformar todas esas historias y todos esos géneros, porque hay el género de viajes. En realidad se nota que eres un gran escritor de viajes porque nos llevas a diferentes sitios, incluso el viaje a Dora, al campo de concentración, tiene una parte de literatura de viajes. Es llevarnos hasta allí, meternos dentro de los túneles, ahí el viaje a Indochina. Luego está toda la parte también de recreación novelesca de las partes a las que no llegas a explicar informativamente, ¿no? Hay una parte de vocación novelesca, lo que tú dices, de reconstruir cómo hubiera sido la vida feliz de... Oui. Il y a une vocation romanesque et puis il y a des moments où la réalité devient terrible parce que quand je commence à faire ma recherche, je vais à Quimper, où il y a, c'est une ville en Bretagne, où il y a le centre des archives départementales historiques et je cherche dans les archives de 1943 tout ce qui tourne autour de l'occupation, les événements, les défilés, les choses comme ça. Et finalement, au bout de deux jours, on me donne une chemise dans laquelle il y a les arrestations, la liste des gens qui sont arrêtés. Et je cherche et je ne trouve pas mon grand-père, alors que je sais qu'il a été arrêté le 1er septembre 1943, il n'est pas là-dedans. Et puis, il y a une autre chemise à côté, intitulée « Juif, étranger et romanichel », « Juif, étranger et romanichel », dans laquelle je n'ai pas à chercher, puisque mon grand-père n'est ni juif, ni étranger, ni romanichel, mais dans laquelle je cherche quand même. Et là, tout d'un coup, je tombe sur l'affiche d'arrestation de mon grand-père. Et là, c'est la première fois où j'ai un élément concret du passé. Et quand je tiens l'affiche, je perds la vue. C'est-à-dire, je ne vois plus. J'ai un malaise qui fait que je suis incapable de voir ce que je veux voir, alors que je l'ai. Je ne lis pas. Donc, je suis obligé de m'arrêter, d'aller boire un verre d'eau, de regarder. Il y avait des arbres autour. Aux archives, ça donne sur un jardin. Donc, je suis obligé de regarder loin, comme ça, puis de revenir. Et là, je commence à regarder la fiche, son nom, la date, l'adresse, les enfants, tout concorde. C'est donc bien sa fiche. Motif de l'arrestation. Là, je lis et c'est marqué « inconnu ». Motif de l'arrestation inconnu. Je me dis, ah non, c'est pas possible. Je trouve quelque chose et en même temps, je ne trouve pas. Je veux voir quelque chose et en même temps, je deviens momentanément aveugle. Alors, pas aveugle, mais disons que je n'arrive pas à lire. Et donc,
pour moi, je comprends que le corps, mon propre corps, est dans cette histoire. Hein. C'est pas juste. C'est-à-dire que mon corps cherche un autre corps, et tout d'un coup, mon corps peut avoir aussi des impacts de ça. Donc, probablement qu'un psychanalyste ou un neurologue expliquerait ça très bien. Mais là, je vois la réalité d'un homme qui est mon grand-père, donc, mais que je ne connais pas. Mais tout d'un coup, je le sens physiquement, quoi. Et effectivement, quand vous citiez Dora, alors le camp s'appelle Dora, mais en fait, c'est Deutsche Organisation Reich Arbeit Organisation. Et on dirait un prénom de femme, mais en fait, c'est un acronyme. Et je descends, parce qu'en fait, c'est un camp qui a la particularité d'être souterrain, puisqu'en fait, à l'intérieur, ils assemblaient donc les missiles et ils ne voulaient pas que l'aviation alliée bombarde. Donc, tous les déportés, pendant les 6 premiers mois, sont restés sous terre. Ils sont restés 5-6 mois sous terre. Donc, ils devenaient aveugles, ils devenaient sourds. Bon. Et ils étaient des milliers sous terre. C'était une fourmilière de gens avec un taux de mortalité effroyable. Et là, quand on descend, parce qu'on peut visiter le tunnel, un des tunnels, il y a deux tunnels, mais les tunnels, ils font 15 km, hein, ils sont sous terre. Et là, quand vous êtes dans les tunnels, avec votre petite lampe, alors il y a un guide, mais vous avez de l'eau qui tombe, il y a un bon... Physiquement, c'est dur, hein, même s'il n'y a rien, vous êtes juste dans une cave, dans une grande cave. Mais il y a quelque chose qui s'est imprégné, hein, la douleur, la souffrance, la violence s'est imprégné dans les murs. Et si vous êtes un peu préparé, vous la ressentez. Et moi, je n'ai pas pu rester très, très longtemps parce que j'avais là aussi un sentiment de malaise. C'est-à-dire que là, encore une fois, mon corps devenait le vecteur de ça. Donc, j'avais besoin de être très près de la réalité et en même temps d'inventer. C'est pour ça que le livre est un roman, même s'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais ce n'est pas un document historique. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais on ne fait pas la différence. Je dis, pour moi, c'est un roman. Voilà. Et un roman, j'ai une liberté d'inventer. Je ne dis pas n'importe quoi, mais tout d'un coup, j'ai envie que mon grand-père fasse du canot, du bateau sur le Mekong. Peut-être ne l'a-t-il jamais fait. J'ai envie qu'il le fasse. Et voilà comment j'ai travaillé en écrivant, en téléphonant à des gens, en allant voir des déportés. Quand je suis allé à Dora, mais si vous voulez poser une question, Jacinto, arrêtez-moi parce que je vais parler pendant 5 heures. Non, es apasionante como lo explicas. La verdad, es perfecto. Es un privilegio escucharte. La première fois que je suis allé à Dora, je n'ai pas vu de déportés. Il y a encore des déportés vivants. Et ensuite, il y a eu une sorte de petite réunion dans un centre de tir de V2, donc ces armes miraculeuses. Et je devais y aller, et il n'y avait plus de taxi, parce que c'était un peu loin, il fallait prendre un taxi, il n'y avait plus de taxi, c'est une toute petite ville. Et finalement, je trouve quelqu'un qui je lui dis, je vais au colloque. Il me dit, si vous voulez, je vous emmène, mais je passe prendre monsieur... Christian, appelons-le comme ça, monsieur Christian. Je dis, bon, ok. On s'arrête, je vois un vieux monsieur arriver, monter dans la voiture, et j'ai dit, monsieur, vous. Il me dit, je suis un déporté de Dora.
dans la voiture, un vieil homme avait été déporté à Dora. Je dis, mais quelle date? Il me dit, j'y suis resté jusqu'en mars 44. Je dis, mon grand-père y était. Je dis, est-ce que si je vous donne un prénom, Je dis, mais comment vous vous appeliez entre vous? Il me dit, on s'appelait entre Français, on ne s'appelait pas par les noms de famille. On ne s'appelait pas par nos numéros. Ça, c'était les Allemands qui nous appelaient par les numéros. On s'appelait par nos prénoms. J'ai trouvé ça d'une telle beauté qu'au fin fond de la terre, des milliers de Français qui allaient mourir s'appelaient encore par leur prénom. Et j'ai dit, Monsieur Christian, est-ce que vous vous souvenez de Camille, d'un certain Camille? Il dit non. Bon, tant pis. J'aurais aimé qu'ils m'ont dit, je me souviens de Camille. Bon. Et donc, j'ai passé 2 heures avec lui, à lui parler. C'était un très vieux... Il est toujours vivant. C'est un très vieux monsieur qui a été déporté très tôt. Il a été déporté à l'âge de 17 ans. Et c'est pour ça qu'il a survécu, il était assez fort. Et je l'ai fait parler de comment ils étaient sous terre, comment ça se passait quand ils étaient sous terre pendant des semaines et des mois à ne pas sortir dehors. Et il me disait, quand on sortait, on était aveugle. On ne supportait plus la lumière. Nos yeux s'étaient refermés et le soleil, c'était insupportable. Et la pluie, il m'a dit, la pluie, c'était... Parce qu'à un moment, il a plu quand ils sont sortis. Il m'a dit, mais la pluie, c'était le début du monde, quoi. D'avoir l'eau qui nous tombait dessus, c'était... Après 3 mois sous terre, c'était quelque chose d'une telle intensité. Et tout d'un coup, j'avais ce monsieur, ce vieux monsieur, dans la voiture, qui me parlait de la pluie en 1944. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'était à la fois rien, parce que c'est un vieux monsieur dans une voiture qui me racontait qu'il pleuvait en 1944. C'est rien. En même temps, c'était tout. Voilà. Toda esa emoción está en el libro, Jean-Luc. Te puedo asegurar que como lectores la recibimos y vamos, nos conmueve exactamente igual que te conmovió a ti el escucharla a ese testigo, ¿eh? Es un libro tremendamente conmovedor. Le dernier témoin que j'ai eu, parce que il y a une revue en France en Bretagne qui s'appelle Breton, et cette revue m'a interviewé sur mon livre, enfin sur le précédent livre, et j'avais dit que je travaillais sur l'histoire de mon grand-père et que voilà, c'était un travail qui me prenait du temps. Et un mois après, j'ai reçu une lettre qui était passée par la revue Breton et la revue Breton me l'avait adressée en disant « Regardez, il y a quelqu'un qui vous écrit. » Et c'était un vieux monsieur qui me dit « Voilà, j'ai des informations pour vous. Est-ce que vous pouvez m'appeler ? Appelez-moi. » Information pour moi, est-ce que vous pouvez m'appeler? Bon, ok, donc je déblaie ma table, je prends un petit magnétophone, du papier, un crayon, j'appelle, je tombe sur une vieille dame qui me dit, je vous passe mon mari, elle me passe son mari, et il me dit, voilà, je vais vous dire quelque chose, monsieur, je vais vous dire quelque chose, ma mère était la secrétaire de votre grand-père, elle a assisté à l'arrestation, parce qu'ils sont venus dans le bureau, elle était là, elle a assisté à l'arrestation. C'est une arrestation qui l'a choquée, elle me l'a racontée, je vais vous la raconter. Donc, tout d'un coup, un monsieur de 80 ans qui est mort depuis, qui est mort là, me racontait l'histoire que sa mère lui avait racontée de l'arrestation de mon grand-père avec des détails. Il avait mis sa veste comme ça, il avait posé sa pipe comme ça, ils sont entrés comme ça. Et là, je voyais la scène
comme un film qui se déroulait sous mes yeux, les paroles qu'il avait dites, les paroles, il a dit trois phrases que j'ai notées scrupuleusement. Mais il me dit, vous savez, le vieux monsieur me dit, mais vous savez, on allait, quand j'étais petit, quand lui était petit, quand ce vieux monsieur était petit, quand il avait 10-12 ans, on allait souvent chez vous. On allait souvent chez votre grand-père. Je dis, ah bon ? Oui, oui, il y avait des fêtes. Je dis, ah bon ? Quel genre de fêtes ? Il y a des marrons. Il y avait, et il y a eu un anniversaire, et moi, c'est le vieux monsieur qui dit ça, moi j'étais enfant, je suis allé à cet anniversaire, et il y avait une estrade, avec un monsieur sur l'estrade, et ce monsieur il faisait des tours de magie. Et il me dit, moi enfant, ça m'a ébloui, parce que je me suis dit, la vie peut être magique. Donc, il faisait apparaître et disparaître des choses. Et je me suis dit, cet homme, c'est mon grand-père. Ce magicien, c'est mon grand-père. Et en fait, ce témoin est mort, mais il m'a donné quelque chose de cet inconnu qui est de l'ordre de la magie, qui est de l'ordre de l'imaginaire, qui est de l'ordre de la fantaisie. Voilà. Quelqu'un qui fait de la magie, c'est quelqu'un qui aime la vie. Et je me suis dit, bon, eh ben, mon grand-père n'est pas simplement un déporté, n'est pas simplement une machine utilisée par les nazis, il a été aussi un magicien. Et ça, ça m'a fait plaisir. Et cette capacité de magie, évidemment, l'a heredado son nieto, évidemment. Muy bien, creo que tenemos que parar ahora aquí y dar entrada a las preguntas de la gente que está escuchando, ¿no? Que creo que hay algunas preguntas, ¿verdad, Laura? Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Laura Santa Florentina, de la editorial ADN, y entonces vamos a ir leyendo las preguntas que está haciendo el público. Y muchas gracias al público por participar. La primera pregunta de Silvia Taberné. Ella pregunta, buenas tardes a todos y gracias por este encuentro. Ayer compré el libro, me parece muy interesante. Es curioso, se ha hablado y escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero tengo la sensación de que todavía hay mucha historia que se nos escapa. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido al autor a la hora de investigar sobre la historia de su abuelo? Gracias. Ce qui me surprend davantage, ce qui me surprend le plus, c'est que on croit que le passé est fini. On croit que le présent remplace les choses. Mais non, le passé est toujours là. Le passé est là. Le passé, il est dans la mémoire des gens, il est dans la mémoire des villes, il est... dans la mémoire des routes, il est dans un arbre planté par quelqu'un, par exemple dans la maison de ce grand-père, il y a un palmier. Je me suis toujours dit que ce palmier, c'était lui qui l'avait planté. Et je me suis toujours dit que si j'ai été autant attiré par le voyage, c'est parce que mon grand-père plantait des palmiers. Non seulement il était magicien, mais en plus il plantait des palmiers. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout d'un coup, ce passé de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il n'était pas si passé que ça. Et tout d'un coup, cet arbre pouvait résumer une filiation, une histoire. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es en francés. Pido disculpas por mi acento. La pregunta dice, bonjour, c'est Julia de Madrid. Je suis en train de lire le livre et je voudrais féliciter l'auteur pour avoir fait revivre Paul et rappeler sa vie heureuse et toutes les choses qu'il n'a pas pu réaliser lorsqu'il y a été assassiné. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Espagne où il y a des milliers de personnes qui ne sachent pas encore le lieu où sont les corps de leurs proches tués par les franquistes et qui, en outre,
on cohabitait avec le criminel impune, toujours avec la peur et la douleur. Merci, enchanté de vous connaître, à Paul et à vous. Question difficile parce que ça concerne l'Espagne et je ne suis pas non plus un spécialiste de l'Espagne, mais c'est vrai que la disparition du corps, c'est probablement la chose la plus terrible. Nous-mêmes, nous n'avons pas récupéré le corps de ce grand-père, mais nous avons fait un tombeau en Bretagne, ça s'appelle un cénotaphe, c'est un tombeau vide. Il y a son nom, sa date de naissance et sa date de mort, parce qu'on sait exactement quand est-ce qu'il est mort là-bas, puisqu'un infirmier a témoigné devant un déporté qui s'appelait Pierre Louboutin. Et donc, j'ai d'ailleurs appelé tous les Pierre Louboutins de France pour essayer de trouver ce déporté, mais il était mort aussi. Mais du coup, nous ne savons pas où est le corps. Il est dans une fosse commune en Allemagne, je ne sais pas où, à Bergen-Belsen en principe. Mais nous avons ce petit tombeau avec son nom, vide. Alors, c'est un peu une fiction, là aussi, puisqu'il n'y a rien dedans. Mais ça ne nous empêche pas, comme font les Juifs, de poser une pierre dessus quand on vient. Alors, on ne pose pas une pierre, on pose un petit galet façonné par la mer, parce qu'on est en Bretagne. La siguiente pregunta va un poquito en relación a lo que ahora estaba hablando. Dice, en España hay un debate con la memoria histórica entre los que pedimos conocer todo lo posible de nuestro pasado, por muy incómodo que sea, y los que piden dejar la historia donde está. ¿Cómo es este proceso en Francia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Alors moi, je n'ai pas d'avis général là-dessus. Là, moi, ma quête était une quête personnelle, familiale, et les réponses n'étaient pas toujours en France, les réponses étaient aussi et surtout en Allemagne. Donc, je pense que quand on s'intéresse au destin d'un déporté, malheureusement, on a quand même des informations. Ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais on arrive à avoir des informations. Il y a un centre qui s'appelle à Bad Arolsen, où je crois qu'il y a 10 millions de fiches de gens qui ont été déportés en Europe, et il suffit de faire une demande et de justifier sa parenté avec la personne pour recevoir les quelques informations que les Allemands ont gardées. Les Allemands gardaient beaucoup de choses. Donc, pour des destins individuels, je pense qu'on peut arriver à collecter des choses. Par contre, pour des tragédies d'ampleur, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Muy bien. La siguiente pregunta dice, hola a todos, me alegro Jean-Luc, verte en directo y escuchar el relato de este maravilloso libro, luminoso y oscuro, como bien ha dicho Jacinto Antón. Mi pregunta, ¿cuándo has decidido realmente escribir sobre tu abuelo fantasma y si tu trabajo fue catártico? J'ai décidé d'écrire parce que le temps passait, moi-même je vieillissais, je voyais mon père aussi vieillir, mon oncle Ronan a disparu, et donc les derniers témoins partaient. Et donc il fallait à un moment donné dire, là on commence à essayer de... Mais c'est un livre que j'ai beaucoup repoussé, et j'ai publié au moins 3 livres avant celui-là, alors que j'étais déjà en train d'y travailler. J'ai écrit un livre sur Victor Segalen, qui est un écrivain breton important. Et je m'aperçois que ce livre sur Victor Segalen, c'était un substitut au livre sur mon grand-père, puisque Victor Segalen était officier breton, brestois,
disparu mystérieusement en 1919, fasciné par l'Orient. Et donc, en faisant un livre sur Victor Segalen, qui s'appelle « Mes pas vont ailleurs », en français, en faisant un livre sur Victor Segalen, c'était un moyen de ne pas encore attaquer le livre sur mon grand-père, mais il était là, en fait, il était là. Alors après, est-ce que c'est une catharsis ça voudrait dire que je suis complètement libéré de tout ça. J'ai l'impression d'avoir fait le job, d'avoir fait le travail, mais on est tellement constitué par ces histoires je pense que je ne m'en sortirai jamais. J'aurai toujours quelque chose, d'ailleurs, un dictionnaire de la résistance. Là, il y a un dictionnaire des déportés qui est sorti en France. Bon, ben, je l'ai acheté, vous voyez. C'est pas... je trouve, j'écris et je range dans un tiroir. À la fin, ça constitue un petit peu votre vie quand même et ça m'intéressera toujours. Bon, maintenant, j'ai mis un nom, j'ai suivi son parcours, j'ai vu où il a fini. Mais c'est une quête infinie, justement, je crois. Mais elle est moins asphyxiante qu'elle l'a été. Bonsoir de Cadix. Je suis bretonne de Brest. Précisément, j'ai eu la grande chance de pouvoir participer à la sélection du Goncourt, les choix de l'Espagne, dans le cadre de l'Université de Cadix et de l'ambassade de France à Madrid, et de lire la part du fils entre les finalistes. C'est un commentaire. Ah, ben, très bien. Et maintenant, il y a un petit surprise de Elia Maqueda. Je voulais juste vous remercier, Jean-Luc, pour ce roman qui m'a accompagné pendant si longtemps. C'est moi qui ai fait la traduction vers l'espagnol. Votre récit a sans doute allégé mon confinement l'année dernière, car j'ai bien constaté que quand au confinement, il y a un pire. Vivement l'histoire qui nous donne la perspective. Mes passages préférés sont tous ceux qui se passent à Bretagne, la grotte d'Abstin, les Landes, tous ces paysages magnifiques. Mes plus sincères félicitations parce que, comme Jacinto l'a très bien dit, le livre est vraiment émouvant. Et elle fait référence à une grotte que j'ai appelée Absinthe, de la couleur de cet alcool qui est à la fois vert et jaune et vert, selon qu'on met de l'eau ou pas. Et je raconte dans le livre que c'est une grotte secrète sur le bord de la mer où mon grand-père allait nager. Je l'ai inventé, je ne sais pas si mon grand-père a fait ça, allait nager. Et que avant la guerre, enfin entre les deux guerres, il a emmené ses fils et qu'une fois que le père était parti, les fils, à leur tour, allaient nager dans cette grotte absinthe où on entre avec la vague, c'est-à-dire la grotte est là, mais il faut attendre la vague qui vous pousse et hop, vous pouvez rentrer dedans. Là, vous nagez, vous ressortez avec la vague. Il y a quelque chose de matriciel, disons. Et la scène finale du livre, c'est moi qui ai fini mon livre et qui me dirige vers la grotte absinthe. Et à mon tour, comme mon père, mon oncle et mon grand-père, je profite d'une vague, je rentre dans la grotte, je tourne dans la grotte avec la vague. Et là, juste avant de repartir, accompagné par le flux, j'entends comme des voix et je me dis que ce sont les voix qui sont restées de mes parents, de mon grand-père, de mon oncle et de mon père et qui sont restées dans la grotte. Et donc, je ressors comme une naissance, voilà, un peu libérée. C'est une image un peu poétique pour dire que les choses continuent malgré tout et que le paysage est là parce que évidemment nous avons... Une biographie, mais nous avons aussi une éco-biographie, c'est-à-dire nous sommes liés à des paysages,
Et l'histoire des paysages, c'est aussi la nôtre. Hein. Nous pouvons être attachés à des arbres, je parlais d'un palmier, mais nous pouvons être attachés à une grotte, à une plage, à une forêt, à une maison, dans un jardin, et que ça nous constitue aussi. Nous ne sommes pas juste des êtres pris entre deux dates de naissance et de mort, mais nous sommes nourris et portés, hein, au sens de porter comme une portance d'avion, d'oiseau. Nous sommes portés par des paysages, et ces paysages sont un petit peu nous aussi, d'une certaine façon. Mais là, je deviens trop poétique, là. Pues ya no hay ninguna pregunta más. Ah. Muchas gracias. Merci à vous. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Jean-Luc, a Jacinto. Ha sido realmente muy, muy interesante, muy emotivo. Podríamos estar aquí horas y horas, estoy seguro, todos. Esperamos que el libro tenga el reconocimiento que merece. Quiero dar, por supuesto, de nuevo las gracias a Elia Maqueda, la traductora, a la editorial Stock de París, que nos cedió los derechos, al Instituto Francés de Madrid, sin duda alguna. Y bueno, os invito a todos a que leáis esta novela y la disfrutéis, porque se disfruta. Y dan ganas, yo cuando la terminé, lo que pensé es volverla a empezar. Así que muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde, Jean-Luc. Espero que en Francia no haga tanto frío como me han dicho que hacía el otro día. Por Barcelona no sé cómo estará la cosa. Aquí, de momento, parece que tenemos primavera todavía por unas horas. Muchísimas gracias. Muy bien. Un saludo a todos y un placer y un privilegio, Jean-Luc. Gracias a todos. Gracias a todos. Et je suis très heureux d'être parmi vous dans la langue espagnole, dans la belle langue espagnole. Merci. Merci.